Pas à l'époque, ouais. Mais bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans Balade Organisée, l'émission de théma.archi qui vous fait visiter chaque semaine des lieux remarquables en direct sur Instagram, des architectures, des jardins, des musées et notamment ce musée qui nous accueille aujourd'hui, le musée Rodin à Paris dans le cadre d'une émission spéciale pour la Nuit des musées chez nous,
Vous connaissez le principe de cette année. Et à ce titre, d'ailleurs, vous nous suivez depuis les comptes du ministère de la Culture et le compte Instagram de théma.archi. Posez-nous vos questions, faites-nous part de vos remarques. Je les transmettrai à notre hôte Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin, que l'on va rejoindre tout de suite. Bonsoir Catherine. Bonsoir et bienvenue au musée. Ben, merci beaucoup, merci de nous accueillir dans ce cadre un petit peu particulier. On a le musée juste pour nous. Voilà. Bon, c'est un peu dommage d'une certaine manière et en même temps on va essayer d'en faire profiter un peu plus de monde grâce à ce dispositif voilà, qui vous permet de nous suivre en direct. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous faire part de vos remarques. Catherine Chevillot, je le disais, vous êtes directrice du musée Rodin à Paris, dans le 7e arrondissement, juste à côté des Invalides, un très bel hôtel particulier, l'hôtel Biron, on l'appelle, et qui accueille aujourd'hui le musée. Alors pourquoi? Quelle est l'histoire un petit peu de ce lieu? Mais parce qu'à l'époque, Rodin n'habitait pas Paris, il habitait Meudon, et il habitait Meudon jusqu'à la fin de sa vie. Mais il cherchait un endroit à Paris pour présenter ses œuvres, recevoir ses clients, quelque chose un peu prestigieux. Et c'est son ancien secrétaire, le poète Rilke, poète allemand, qui lui avait loué une salle dans l'hôtel Biron, qui lui a dit, écoutez, venez voir, j'ai trouvé un endroit assez extraordinaire dans Paris. Et Rodin est venu, cet hôtel était désaffecté, le jardin était une vraie forêt vierge. Il a été absolument emballé par ce site et il a immédiatement loué 4 salles dans le musée. Et plus tard, quand il a donné toute son œuvre à l'État, il a dit, je donne absolument tout, mes œuvres, mes collections, mon domaine de Meudon, à condition que l'État français fasse un musée dans ce bâtiment. Et quel musée! C'est un très beau musée que vous avez là et dans lequel vous nous faites un grand honneur que de nous accueillir. Quand on arrive dans ce musée, la première chose que l'on voit, c'est cette sculpture Ah oui, assez étonnante. J'ai quelques images de Rodin en tête. Je n'ai pas cette image-là d'un corps sans bras, sans tête. Et bien pourtant, c'est un personnage que beaucoup, beaucoup de personnes connaissent, car c'est un bourgeois de Calais, mais isolé. C'est une œuvre très importante parce que Rodin l'avait placée à l'entrée de son exposition personnelle en 1900. Et c'est pour la raison pour laquelle nous l'avons mis à l'entrée du musée. C'est un bourgeois de Calais, mais dont il enlève la tête et les mains. C'est une période où, on le verra à la fin du parcours, Rodin déconstruit en fait. Rodin cherche dans la sculpture fragmentaire des raisons, une puissance d'expression qu'il trouve supplémentaire. C'est un bourgeois de Calais, ça veut dire que c'était une sculpture qui a eu une existence avec sa tête et ses mains, et c'est dans Oui, un... dans le fameux groupe des bourgeois de Calais, qui est encore devant l'hôtel de ville de Calais, ces bourgeois qui avaient fait le sacrifice de leur vie pour sauver la ville des troupes anglaises. Alors on va avancer, je vous en prie, c'est vous qui nous faites le chemin. On avance dans cette première salle. Première salle, là, c'est pour nous, c'est entre nous, hein, c'est bien ça. C'est pas la première salle du musée, mais on a décidé de commencer par ici. C'était un peu plus simple pour cette visite, évidemment raccourcie. Et déjà, là, je commence à avoir une figure un petit peu plus familière. C'est juste là, le fameux penseur. Et oui, car ce penseur, il a été créé dans cette taille petite, a priori, qui Oui, c'est ça. surprend Oui. beaucoup le visiteur. C'est ça, Mais parce que, pardon, il c'est. en existe un autre dans le jardin qui, lui, est beaucoup plus grand. C'est celui Voilà. qu'on connaît, Celui qu'on le qu'on voit connaît. partout. Ouais. Mais en fait, Rodin l'a créé dans cette taille, tout simplement parce que, en fait, c'est une figure liée à la porte de l'enfer dont on parlera. Et c'est seulement, donc en 82, il l'a créé ainsi, c'est seulement 26 ans plus tard, en 1906, qu'il l'agrandit à la taille monumentale, à plus de 2 mètres de haut. Donc ça devient une autre sculpture quasiment. Et ce bronze de 2 mètres de haut est financé par les Parisiens pour être placé à l'époque devant le Panthéon. Parce que c'est devenu une espèce d'icône de l'homme moderne, d'icône du travailleur, d'icône de l'artiste aussi, de l'homme et de sa puissance créatrice. Et donc une sorte de résumé de tout l'homme devant le Panthéon, qui est le monument aux grands hommes. Et pardon, mais du coup, c'est, enfin, on n'est pas devant le Panthéon forcément, mais on a la sculpture ici. Ça veut dire qu'il y en a pas d'autres devant le Panthéon. C'était celle-ci exactement qui C'était devait. celle qui était dans le Ah, jardin. c'est la grande du jardin, pardon, oui, Elle c'est a ça. été rapatriée à la création du musée. Elle a été rapatriée dans le jardin du musée. Donc, elle a eu ça, une première vie C'est ça. devant le Panthéon. D'accord, très bien. Dans cette salle, pardon, je vois une autre sculpture. Enfin, je pense que là, je crois que j'ai fait le tour de mes connaissances de Rodin, à savoir le penseur d'un côté et le baiser de l'autre. Là encore, sur une version que je
peut-être que Et qui est pas oui, celle que alors j'avais en tête. même origine en fait. Cette salle est une salle centrale à beaucoup d'égards parce que c'est la salle consacrée à la porte de l'enfer, cette grande commande monumentale passée à Rodin en 1880 par l'État français. C'est à ce moment-là que l'État lui passe les premières commandes qui le font émerger en fait sur la scène publique. Et pour cette porte de l'enfer, il crée toutes ces icônes que l'on connaît maintenant. Les baisers que vous voyez ici, le penseur dont on a parlé tout à l'heure, et il les crée dans cette petite taille dont on n'a pas l'habitude. Donc là, vous avez une terre cuite cette fois du baiser, qui est très proche évidemment de la matrice d'origine. Et puis dans la vitrine d'à côté, vous avez un mélange de terre cuite et de plâtre. Ça, ce sont les matériaux de la création de Rodin. Alors, Rodin ouais, modèle. c'est ça. Donc, là, on voit de la terre cuite, ici du plâtre. Le penseur était en bronze, vous avez En dit. bronze, C'est mais ça? vous avez là une des premières pensées pour le penseur, qui est très émouvante parce que c'est une esquisse où on perçoit la toute première idée, le coude sur le genou, mais c'est dans la sculpture définitive, ce sera inversé. Ah oui, celui-là, Et là, au milieu, là. voilà, Bah, il est montrez-nous, ici. allons-y, oui, bien sûr. Oui. Donc, vous D'accord. voyez qu'il a le coude droit sur le genou droit, et en fait, dans la sculpture définitive, ce sera l'inverse. Il aura le coude gauche sur le genou droit. Donc, il y a un effet de torsion qui a encore accentué l'expression de la figure. Et alors, pardon, vous l'aurez compris, mais vous vous adressez, pour ce qui me concerne, à un vrai profane de tout ça. Ces différents matériaux dont on parlait là, c'est quoi? La terre, c'est le matériau, peut-être pour l'esquisse, et après, ensuite, on les met en C'est plâtre ou en ça. bronze? Au début, Rodin manie essentiellement la terre, comme tous les sculpteurs depuis la Renaissance. Le sculpteur modèle une terre, et comme la terre ne se conserve pas, bah, soit il faut la cuire pour qu'elle se conserve, c'est le cas de celle-ci, soit on en tire immédiatement un plâtre. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de plâtre dans le musée. Et le plâtre, c'est quelque chose de très précieux pour nous, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la main de Rodin. Et puis ensuite, pour traduire ses œuvres dans un matériau définitif, eh bien, on a soit le bronze, soit le marbre. On a vu le bronze avec le penseur. Et là, son groupe peut-être le plus célèbre dans le monde, qui est le baiser, qui était donc conçu à l'origine pour la porte de l'enfer, mais qui finalement n'a pas subsisté dans la composition finale, sans doute parce que le bonheur de ces deux amants était un petit peu trop heureux pour les comtesses de l'enfer. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de porte de l'enfer? Vous nous l'avez cité quelques fois là depuis qu'on arrive. Ça, ce sont des sculptures qui étaient destinées à la porte de Qui sont l'enfer. toutes liées à l'élaboration de la porte de l'enfer. Et qu'est-ce que c'est en C'est fait? une porte à double vantail, Donc on est vraiment dans une absolument vraie porte, d'accord. Oui, moi immense, j'étais sur qui n'a porte, jamais d'accord. fonctionné, mais qui était à l'origine commandée pour être la porte monumentale d'entrée d'un futur musée des arts décoratifs qui devait être construit dans les années 80 à l'emplacement actuel du musée d'Orsay. Puis D'accord. il ne l'a jamais été, et Rodin a gardé sa porte toute sa vie. Et la porte de l'enfer, c'était un peu l'Arlésienne à Paris. On en parlait tout le temps, on la voyait jamais. D'accord. Il a eu la commande en 1880. Il ne l'a montrée pour la première fois au public qu'en 1900. D'accord. Elle a 4 mètres 50, 6 mètres 50 de haut. Elle a plus de 200 figures. Donc c'est une espèce de réservoir pour Rodin pendant toute sa carrière. Il reprend des figures, il les coupe, il les assemble, il les reprend. C'est un peu la source de toute sa création ultérieure. Mais on peut la voir cette porte aujourd'hui? Alors la porte, il y en a un exemplaire dans le jardin en bronze, Incroyable. et il y a un grand plâtre au musée de Meudon, qui est le deuxième musée Rodin, le lieu où vraiment Rodin a vécu, où il y a encore sa maison, son atelier et les grands plâtres originaux. Bon, alors faute de lumière, on ne va pas pouvoir, hélas, aller dans le jardin, même si on a pu voir en arrivant, on a pu passer par là-bas et voir effectivement toute l'incroyable jardin de sculpture que vous aviez juste au pied de ce bâtiment. Mais on continue alors de se promener au sein du bâtiment du musée Rodin, de l'hôtel Biron. Voilà, pardon, De je l'hôtel cherchais le mot. Biron, voilà, avec Exactement. ses boiseries du XVIIIe siècle, son atmosphère particulière que Rodin a connue dans un état un peu délabré, mais qu'il a occupé un petit peu comme un showroom en fait, hein. Là, nous sommes dans une salle Voilà, on parlait de où, showroom, là, je crois qu'on est sur un voilà, petit peu ça, non? C'est... en fait, nous avons voulu recréer dans cette salle l'installation que Rodin lui-même avait créée. Parce qu'il se trouve que pour cette pièce, nous avons des photographies d'à peu près tous les angles et nous avons pu retrouver toutes les œuvres qui sont remises en scène exactement comme lui les avait mises en scène. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a un immense mélange
de sculptures antiques sur des cageots, une sculpture japonaise là-bas dans le coin, un dieu très étrange en bronze sur son cerf, qui est un dieu de la longévité au Japon, un grand bronze qui est une œuvre de lui, une vierge gothique, des céramiques chinoises. Donc, c'est une espèce de fourre-tout très étrange, avec ici un paravent derrière lequel ces modèles pouvaient éventuellement se déshabiller, des sièges pour s'installer et parler. Donc, Rodin vivait dans ce mélange et il ne concevait son œuvre que mise en perspective dans une histoire de l'art très très longue qui remontait à l'Antiquité. Mais c'est une libre interprétation de votre part ou alors vous vous êtes Non, non, appuyé non. sur des On a des photos? photographies anciennes D'accord. qui sont présentées au public ici et qui montrent vraiment. Alors, il y a une légère part, c'est peut-être 10 cm à droite ou 10 cm à Ouais. gauche, mais grosso modo, c'est vraiment l'installation telle qu'elle était du vivant de Rodin. Donc, on a choisi de la présenter à l'identique dans une pièce, parce qu'on ne connaît pas la disposition dans les autres salles. Et cela donne un peu au public l'atmosphère qui existait du temps de Rodin. Vous voyez qu'il n'y a pas d'autre lumière ici que le lustre, donc pas de projecteur comme dans le reste du musée. Eh bien, écoutez, on va monter là-haut alors et découvrir la suite de la visite. En fait, Rodin s'est installé en 1908, mais petit à petit, au fur et à mesure, quand il l'a pu, il a commencé à louer des pièces attenantes. Et en 1911, Alors, il pardon, parce que avait c'est pas. investi tout Oui, l'hôtel. c'est ça, d'accord, parce que en fait, c'est vrai que quand on voit la taille du lieu et quand on voit la densité d'objets dans la pièce que l'on venait de visiter à l'instant, on se dit, ouais, si. Tout l'hôtel était comme ça, donc ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'était pièce par pièce. Au début, quatre salles, et puis petit à petit, il a loué tout l'hôtel. C'était une espèce de squat d'artistes, ce site. Il y avait Matisse qui avait un atelier au fond du jardin. Il y avait Isadora Duncan, la célèbre danseuse, qui occupait un autre bâtiment. Donc voilà, c'était un lieu un petit peu bohème. D'accord. Et du coup, pardon, vous m'expliquiez tout à l'heure sur le, donc à la mort de Rodin, l'État qui en fait un musée. Il y a eu combien de temps entre le, enfin, il a fallu combien de temps pour Oh, concevoir ce c'est musée? allé très vite puisque Rodin a fait sa donation en 1916. Elle a été acceptée par le Parlement, par une loi. Et il est mort l'année suivante, en D'accord. 17. Le musée a ouvert en 19, donc 2 ans après sa mort. D'accord. Et donc ça veut dire, parce que on se replace dans l'époque, il avait déjà un niveau de notoriété tel que, enfin voilà, on passait au Parlement une loi pour avoir toutes ses collections, etc. Alors, il était très célèbre à partir des années 90 et surtout en 1900 avec sa grande exposition personnelle. Mais ça n'a pas été sans mal tout de même. Hein. D'abord, on était en pleine Première Guerre mondiale. Et puis, faire un musée pour un artiste qui vivait encore, ça semblait très choquant. Donc, il y a eu des joutes Oui, ça oratoires m'interroge au aussi. Donc, Parlement. d'accord. Très bien. Alors, ici, là, on est sur une toute autre période de Rodin. Et encore une fois, hein, je vous rappelle mes seules connaissances, le penseur, le baiser. Là, c'est vraiment tout à fait autre chose ici. On est dans quelque chose de très différent, qui était quasiment méconnu du très grand public jusqu'à la réouverture du musée en 2015. C'est l'aspect très expérimental de Rodin. À la fin de sa vie, il utilise de plus en plus le plâtre directement, c'est-à-dire qu'il reprend des figures qu'il a déjà utilisées, mais il les retravaille d'une autre manière. Et les exemples les plus stupéfiants sont peut-être ceux qui sont au centre de la salle ici. Rodin, qui avait une immense collection d'art antique de plus de 6 500 pièces. Donc ce sont des vases, Voilà, il prend des... des vases antiques grecs, carrément, et dedans, il colle des œuvres que lui a faites. Donc d'abord, c'est une désinvolture quand Oui, c'est même ça. extraordinaire. Et puis finalement, c'est l'assemblage avant Picasso. Comment ça, avant Picasso? Eh bien oui, parce que le verre d'absinthe, c'est 1914, et là, on est vers 1900. Alors attendez, pardon, et c'est là où encore une fois, vous savez, moi, on parle plutôt d'architecture habituellement. Alors le verre d'absinthe de Picasso. Le verre d'absinthe de Picasso, c'est ce geste très très important. Picasso prend une vraie cuillère d'absinthe et la pose sur une sculpture qui représente un verre. Donc c'est une vraie cuillère qu'il a achetée dans le commerce. Donc avant qu'il l'utilise, ça n'est pas de l'art, si on veut. D'accord. Hein. Ça devient de l'art parce qu'il la pose sur son verre d'absinthe. Donc c'est le mélange entre objet trouvé et art. Et c'est le fait que l'artiste se l'approprie qui fait que ça devient de l'art. Et donc, Picasso, c'est quelle année, vous dites? 1914, Et là? 1900. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, il ne le fait peut-être pas pour le montrer au public. Ce sont des œuvres qui restent dans le secret de l'atelier pendant très longtemps.
mais ce sont des choses quand même très stupéfiantes. Autre exemple, celle qui est ici, il reprend son âge des reins, qui est une figure du tout début de sa De carrière. l'autre côté ici, oui. Il prend le torse, il le drape dans un tissu d'atelier. On avait toujours des bouts de tissu dans les ateliers parce qu'il fallait garder les terres humides, donc on mettait des linges mouillés dessus. Et il enduit ce tissu de plâtre. Et ça devient une figure très étrange et très moderne finalement. Je fais souvent visiter le musée à des artistes contemporains et ils sont toujours tout à fait stupéfiés par ce genre d'objet. Alors, donc pour bien préciser, c'était là encore, comme tout à l'heure, on parlait par rapport au bourgeois de Calais, c'est une sculpture qui a eu sa première vie, C'est on va dire, ça. qui était restée dans son atelier et qui l'a ensuite réutilisée dans le cadre d'une deuxième œuvre. C'est ça. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que vous êtes dans l'émission Balade organisée, mission de théma.archi, en partenariat aujourd'hui particulièrement avec le ministère de la Culture et le musée Rodin, dans le cadre de la Nuit des musées. Je vous rappelle que la Nuit des musées cette année se fait à distance, en numérique, chez nous, comme le hashtag Nuit des musées chez nous. Et à ce titre, voilà, vous êtes bien sûr invité à participer, à poser vos questions, à nous faire part de vos remarques aussi. Et je me charge de les transmettre à notre hôte de choix. On a Mire Grange qui nous dit, voilà, mise en scène magnifique et osée, évidemment, en parlant de ces vases. Effectivement, avec le commentaire que vous nous en avez fait, on comprend d'autant mieux le sujet. Continuons, si vous le voulez bien, alors d'avancer dans le bâtiment. Donc, nous sommes à l'étage là, du musée Rodin. On a vu tout à l'heure quelques salles du rez-de-chaussée. Vous me le disiez tout à l'heure, c'est une deuxième partie de sa carrière ici. Oui, on est plutôt dans les processus de création, dans l'éclairage sur ses élèves aussi, ses disciples, ses relations, et notamment avec la plus célèbre d'entre elles, qui est Camille Claudel, à Ah ben qui voilà, une salle est ouais. consacrée. Très bien. Alors, parce que c'est vrai que, enfin, on associe souvent les noms de Camille Claudel et de Auguste Rodin. Enfin, en deux mots, c'est. Alors, deux mots, c'est d'abord une des plus célèbres histoires d'amour artistique, puisqu'ils sont amants entre 83 et 93, donc pendant une dizaine d'années. Une histoire très tumultueuse. Finalement, ce qu'on sait peu, c'est que c'est Camille Claudel qui quitte Rodin. Pendant toute la période où elle travaille avec eux, elle arrive comme élève dans son atelier. Lui, il a plus de 40 ans, il est un artiste confirmé, il a déjà eu des commandes de l'État. Elle est quand même très marquée par sa manière, mais ensuite, elle se détache complètement de son style et elle crée quelque chose de tout à fait particulier, propre à sa manière. Par exemple, cette célèbre vague qui est bien sûr inspirée de la vague d'Hokusai, mais complètement réinterprétée d'une manière très particulière. Un choix de l'onyx, par exemple. Cette pierre colorée, extrêmement fragile, extrêmement décorative aussi par sa texture. Et puis, elle met au creux de cette vague des petits personnages en bronze, presque réjouissants en fait, très loin de l'atmosphère expressionniste et lourde des sculptures de Rodin. Donc, à la fois quelque chose qui est inspiré du japonisme, dans un esprit décoratif, qui est vraiment une période très originale de l'œuvre de Camille Claudel. Et pourquoi est-ce que vous avez ici au musée Rodin une salle entière on est bien d'accord, ce sont que des sculptures de Camille Claudel tout Pratiquement, autour de sauf nous. ce mur, mais D'accord. pratiquement, ce ne sont que des sculptures de Camille Claudel. Cette histoire a été très célèbre, très controversée, et surtout du fait qu'ensuite Camille Claudel est devenue très gravement malade. Elle était paranoïaque de manière très grave. Elle a été internée très jeune. Elle a vécu pendant des dizaines d'années dans cette situation, dans un internement assez dur à l'époque. Et Paul Claudel, en souvenir de sa sœur, a donné les œuvres les plus importantes au musée Rodin pour qu'elles soient présentées ici. Et alors, au-delà de l'histoire d'amour dont vous nous parliez à l'instant et de la relation très forte qu'ont eu ces deux grandes personnes, ces grands personnages évidemment de la sculpture, en matière dans leur création, vous disiez qu'il y avait une filiation au début qui s'est un petit peu perdue au fur et à mesure avec le temps. Pour autant que vous ayez toutes ces sculptures-là au sein du musée Rodin, j'imagine que vous faites des choix aussi sur des œuvres qui sont peut-être plus représentatives d'une filiation avec Rodin, d'autres qui s'en éloignent un petit peu. Non, 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 parce que on présente vraiment toutes les œuvres importantes que nous avons.
Des choses comme ça s'éloigne quand même beaucoup de Rodin aussi. Cette étrange figure mythologique de la Parque qui s'en Là-bas, mêle dans ses ouais. cheveux. Ce que nous avons en réserve de Camille Claudel, ce sont souvent des doubles de choses que nous présentons ici. Donc on présente vraiment la réalité de notre collection, mais nous ne sommes pas la seule collection Camille Claudel en France. Alors, on a pas mal de commentaires hein, sur les comptes Instagram du ministère de la Culture et de Théma.archi. On a Aurélie notamment qui s'étonne, peut-être, il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation, de la modernité chez Rodin. C'est vrai que, voilà, encore une fois, bah, comme moi, alors peut-être qu'Aurélie n'avait pas les images de toute une partie de sa carrière. Et Lorraine qui nous demande quel est l'impact de l'œuvre de Rodin sur la sculpture contemporaine. Et c'est vrai que quand on voit la salle où on était tout à l'heure avec ces assemblages, etc., on imagine que ça a dû avoir que ça a dû faire grand bruit, en fait. Oui, c'est une très très bonne question parce que effectivement, cet héritage est réel. Il n'est pas forcément là où on croit. Il y a d'abord un certain nombre d'artistes qui ont étudié avec lui, comme Bourdelle, Maillol, beaucoup d'autres. Tous les jeunes artistes quasiment de l'Europe sont venus étudier à Meudon avec Rodin, y compris Brancusi, par exemple, qui est le créateur de la grande sculpture abstraite. Mais ils ont. Brancusi disait, rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Donc l'ombre tutélaire de Rodin était un peu étouffante quand même. C'était une espèce de patriarche et ces artistes ont cherché à s'opposer un peu à lui. En revanche, cette expression de Rodin, cet expressionnisme a ressurgi très rapidement à travers Bourdelle et à travers les élèves de Bourdelle, où on trouve Giacometti, Germaine Richier, qui sont des artistes avec lesquels il y a une sorte de filiation finalement. Mais toutes ces inventions de sculptures incomplètes, d'agrandissement, d'assemblage, sont des inventions qui ont marqué tous les artistes. Et la sculpture contemporaine est inenvisageable sans cette source. Alors, vous parliez à l'instant de Giacometti, et alors il y a peut-être d'autres œuvres dont on va pouvoir parler ici, mais quand même cette sculpture centrale. Alors là encore, peut-être est-ce ma très faible culture sculpturale qui me fait associer les deux sculpteurs sur cette pièce en particulier. Absolument, parce que Giacometti a aussi fait un homme qui marche, et il ne pouvait pas d'ailleurs ne pas avoir l'homme qui marche de Rodin en tête. C'est une œuvre qui date là aussi de la dernière partie de la carrière de Rodin, 1907. Il trouve dans son atelier un petit torse complètement abîmé, dont vous avez un plâtre là-bas. Juste là, tiens, Tim à la caméra, voilà, va nous montrer juste là-bas. Il trouve ce petit torse un peu éclaté, avec des fissures. C'est un torse qui vient d'une figure, là aussi, du tout début de sa carrière, Saint Jean-Baptiste. Il trouve ça merveilleux et décide de l'agrandir plus grand que nature. C'est ce qu'on voit là. Il lui trouve une paire de jambes et ça devient l'homme qui marche. Alors, aux gens qui lui disaient, mais votre homme qui marche, il n'a pas de tête et pas de bras, il répondait, mais c'est normal, on ne marche pas avec sa tête. Et là encore, c'est la leçon de l'antique, en fait. Et on voit très bien tous ces torses ou ces fragments d'antique au mur qui entourent cet homme qui marche, eh bien, il adorait ces fragments d'antique et il les trouvait plus beaux que la sculpture entière, plus expressifs. Et il disait aussi, il ne doit rien y avoir d'inexpressif dans une sculpture. Donc, si les bras ne servent pas à l'expression, ben, enlevons-les. Si la tête ne sert pas à l'expression, on la met pas. En revanche, cette puissance de la marche et de l'avancée du corps a été très bien perçue par le public et par les artistes, surtout les artistes contemporains. C'est par exemple une des rares sculptures que le mouvement d'avant-garde futuriste a apprécié et publiquement apprécié. Et Marie-Rose qui va complètement dans votre sens et qui nous dit que l'évocation du mouvement chez Rodin est tellement forte, effectivement, on n'a pas meilleure sculpture pour illustrer tout ça. Un mot peut-être juste sur tout ce qu'on retrouve autour de nous. Vous nous parliez de ces fragments antiques. On comprend donc l'intérêt de Rodin pour cette période de la sculpture et la manière dont il va l'intégrer lui à ses œuvres. Qu'est-ce qu'il en est pour l'époque, en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on avait le regard entièrement tourné vers l'Antiquité, pour les sculpteurs de l'époque, pardon, est-ce qu'on avait le regard entièrement tourné vers l'Antiquité? Est-ce qu'on était déjà en train de se projeter vers le modernisme? Ou alors est-ce que, comme Rodin, on était un peu dans cet entre-deux, une pédale en Alors, arrière et en avant à la fois? la filière classique pour devenir sculpteur, ce que n'a pas suivi Rodin, c'était l'école des beaux-arts, l'académie, le voyage à Rome.
était complètement tournée vers l'antique, mais un antique très sage, très. Alors là, pour le coup, la figure complète, et c'était les exercices n'étaient finalement que de la copie d'antique. Le regard sur Rodin est complètement nouveau et original, puisque lui, il exalte finalement le fragment, qu'il finit par introduire comme une méthode de création dans son propre art. Et c'est ça qui est très curieux et très nouveau. Bon, alors voilà, on a fait un petit tour, c'était un tour rapide, hein. On a fait pas mal de raccourcis pour revoir un petit peu le musée Rodin qui nous manque, comme beaucoup de musées, hélas, en ce moment. Mais voilà, c'était l'occasion, par le biais de cette émission, de remettre les pieds ici. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, hein. On n'a pas tout vu, là, évidemment. Il y a beaucoup d'autres salles au rez-de-chaussée ici, il y a le jardin, évidemment. Donc pour tout ça, on attendra d'en avoir l'autorisation, mais... voilà, à Paris, au cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, donc le musée Rodin qui accueille tous les visiteurs et nous fait voir ses œuvres magnifiques. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à revenir voir les sculptures en chair et en os, si je puis dire, à Paris ou à Meudon. Ben, écoutez, à en lire les commentaires de nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je pense que c'est plutôt que ce sera le cas à Tom Molécule qui nous dit quel bonheur d'être au cœur de ce musée Rodin. Merci pour cette belle initiative. Martine Gougelet qui nous dit fascinant ce musée. Voilà, il y en a encore d'autres. Voilà, mise en scène magnifique et osée d'Emir Grange. Merci à tous pour vos commentaires. Et alors, tiens, on se disait qu'on est censé terminer à 19h et on se disait qu'on avait un bon repère, une bonne pendule, c'est la Tour Eiffel qu'on a en arrière-plan, qui scintille pas encore. Alors, on en profite pour dire un dernier mot. On voulait faire une belle image de fin là-dessus. Un dernier mot pour vous remercier en tout cas à tous de nous avoir suivis sur les comptes Instagram du ministère de la Culture de théma.archi. La vidéo est à revoir la fin de sa diffusion également sur tous les comptes du musée Rodin. Et voilà, j'étais pas tout seul à la préparation de cette émission. Alors, juste un petit mot, voilà, pour remercier au Musée Rodin, Clémence Goldberger, au ministère de la Culture, Michael Coca, Cécile Lausanne, Louise Bauduin et Maïlys Clément-Bollé. Et pour Théma Prod, Thomas Blancard à la caméra, Tim Jarosson à la Tour Eiffel, Clémence Roquebert, Anaïs Chaumier et Marie Cravier qui nous ont soutenus durant toute la préparation de cette émission. Merci à tous. On se retrouve, nous, pour Balade organisée dès mercredi prochain à 19h. Nous serons au pavillon de l'Arsenal. Quant à la nuit des musées, elle continue sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture et sur ceux de vos musées préférés, de tous les musées, la Tour Eiffel si les mines, ça y est. Vous pouvez suivre toute la suite des initiatives, encore toute la soirée, via le hashtag Nuit des musées chez nous. Et je vous remercie vivement, Catherine Chevillot. Merci à vous. Au plaisir de revenir ici, alors, en journée pour la prochaine C'est fois. ça. Au revoir. Au revoir.